plus en live, j'ai fait une petite vidéo du El Diablo au bœuf. Donc j'ai coupé mes oignons et j'ai coupé ma viande en lamelles. Donc voyez en vidéo comment j'ai fait. Je fais revenir la viande sur feu fort. Une fois que c'est bien, une fois que la viande elle est cuite, je vais venir la réserver et je la mets de côté. Ensuite, je fais revenir mes oignons. C'est une recette ultra rapide et super bonne. Donc, je fais revenir mes oignons. Une fois qu'elles sont revenues, je fais revenir les poivrons. Quand c'est bien cuit, je rajoute ma viande, du sel, du poivre, des épices chili. Je remue, je laisse mijoter à peu près 5 minutes et je rajoute 3-4 cuillères de crème légère. Et je laisse mijoter 5 minutes à peu près. Et la recette, elle est prête. Ensuite, je vais vous faire le montage sur l'assiette, comment c'est présenté, parce qu'elle n'est pas totalement terminée. Salut, voici la recette finale du El Diablo bœuf avec le dressage. Donc, j'ai commencé par mettre ma salade dans l'assiette avec les tomates cerises. Ensuite, j'ai mis des frites que j'ai cuites au four. Normalement, c'est des potatoes, mais j'ai fait des frites. Ensuite, je rajoute la sauce qu'il y a dans la vidéo précédente que j'ai fait en live cet après-midi. Et je termine avec les morceaux de bûche de chèvre. Alors, si vous pouvez faire des morceaux un petit peu plus petits, c'est mieux. Donc voilà. Voilà la recette finale du El Diablo au bœuf, une tuerie. Ciao, ciao!